Deux minutes pour comprendre. Aujourd'hui, la maladie de Crohn. Alors, je suis avec le docteur William Bérébi. Vous êtes l'auteur de Diagnostic et thérapeutique. La maladie de Crohn, ça touche des centaines de milliers de personnes. Qu'est-ce que c'est la maladie de Crohn? Oui, c'est très fréquent d'abord. Premier point, 100 000 personnes à peu près en France. C'est une maladie qui touche le sujet jeune, entre 20 et 30 ans. Et c'est une réponse anormale des défenses immunitaires de l'intestin vis-à-vis des bactéries, donc du microbiote, chez des sujets prédisposés. Il y a des facteurs favorisants alors? Oui, il y a des facteurs favorisants. Donc, hormis la dysbiose, donc l'anomalie du microbiote, il y a le tabagisme. Il y a peut-être des facteurs environnementaux, mais pas clairs pour l'instant, type alimentation ou bien pollution. Et puis, il y a des gènes de susceptibilité, c'est-à-dire que le patient, il a un certain profil génétique, mais pour autant, ce n'est pas une maladie héréditaire au sens où l'entendent les gens. Comment on fait le diagnostic de cette maladie pour être sûr que c'est une maladie de Crohn? Alors, le patient va consulter déjà, il va nous voir pour une diarrhée, il va perdre du poids, il va être fatigué, il peut avoir de la fièvre, des douleurs abdominales. On va immédiatement, rapidement faire des examens, donc au niveau sanguin, la CRP, la numération globulaire, un dosage dans les selles de calprotectine fécale très important, et puis la coloscopie et la vidéocapsule endoscopique. Avec des capsules, hein, c'est ça? Exact. Je crois qu'on voit une image. C'est ça, avec une capsule qui va filmer, en fait, le patient va ingérer la capsule, ça va filmer donc son intestin grêle et son côlon. Et ensuite, il va rejeter la capsule et là, on va récupérer les images. Il y a un enregistreur qui va filmer et là, on va voir toutes les lésions et faire le diagnostic comme ça. Voilà. Donc ça a été un gros progrès, hein, parce qu'on n'est plus obligé de passer par la coloscopie qui est un peu rébarbative pour beaucoup. Hein. Initialement, on fait la coloscopie parce qu'il faut faire des biopsies quand même, que ne permet pas la capsule. Donc on y passe quand même. La première fois, oui. Mais après, dans la surveillance, on peut avoir recours à la vidéocapsule pour évaluer la réponse au traitement notamment. Voilà, il nous aurait fallu beaucoup plus de temps pour parler de la maladie de Crohn. À très bientôt.